Peggy 12. De nouveaux challenges t'attendent. Hey yo, pio pio tout le monde, Hardcore Grunge Paradise, chaîne d'avant-garde. Donc aujourd'hui, épisode 8 sur Zucro Motorfest. On va devoir faire 3 épreuves de playlist. Après, c'est l'heure du Démolition Royale. Donc, on est parti pour cette série encore épisodique sur Zucro Motorfest. Et là, cette fois, les gars, les Paradise, on est sur du Rally Raid Strict Tier, et après, bah, c'est du rallye. Ok. Donc moi je dis, on y va. Allez, on sort directement. Reprise de la progression de la playlist. Allez, go! Perdons pas de temps. Direction la côte. Bah, il m'a fait un peu bousculer le chemin, mon, quand même. C'est pas possible, hein. Ça peut pas continuer comme ça. Franchement, là. Donc, qu'on soit très clair, donc les, depuis le 5e épisode sur The Crew Motorfest, ma période d'essai est désormais finie. Vous l'aurez sans doute remarqué que j'ai possédé le jeu directement sur mon plateforme, sur la plateforme souhaitée. Parce que ce jeu-là, j'ai lu à Noël. Et vraiment, je suis fier. Je suis fier de mon cadeau de Noël. Et bah ça, c'est bien ça. Et ben au moins ça... Plus personne ne m'arrêtera. Oh, Bowser. Le film Super Mario Bros. Je l'ai enfin trouvé. Plus personne ne l'arrêtera. Ah là, ça y est, je suis en forme. Que ça vous plaise ou non, je suis en forme. Bon curse. Je connais la version de série parce que c'est une forme réputée, mais on y a ajouté une petite touche hawaïenne. Pas peur d'accélérer. J'aime bien cette cette trame 1500 Rebelle TRX concept.
j'aime beaucoup ce type de voiture. Il est 100 fois mieux que celui des autres que les autres véhicules de rally ride. Allez, cette fois on est parti. Moi je suis Joe Take. Donc, Ford Bronco Hawaii Scenic Tour ED. Allez, go! Terminer l'épreuve. Bon, ça, on le sait déjà. Let's go! Même essayer de freiner quand il y a des virages et là les autres ils accélèrent comme si de rien n'était. Parfait pour surfer. En hawaïen, on dit LNL. Tout le monde surfe ici. Je suis cinquième. Donc, est le plus c'est célèbre. Une plaisanterie, j'espère. Les hawaïens de toutes les classes et de tous les milieux ont toujours pratiqué le surf. Allez, laissez-moi doubler là. Bon, je suis deuxième. Regarde ce géant de lave, majestueux. Majestueux. Tu parles. Le truc c'est que... Ah oui. Toutes les accessoires de plage. Bon, lui, là, Mitch, là, te bouffe pas trop non plus, hein, parce que déjà, bah, voilà. Mieux vaut pas marcher pieds nus par cette chaleur. Ça revient à marcher sur des braises. Allez, go, 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 go. Je vais bientôt doubler. Attention, Mitch. Fais gaffe. Achetez un coup d'œil dans cette grotte. C'est plutôt cool. Ha. Ça a l'air sinistre. Comme grotte. Comme ceux qui vivent dans des caves, dans des grottes. Et voilà Mitch. Au revoir, merci.
la ligne d'arrivée est droit devant, je crois. Je pense que pour le Démolition Royale, on le fait une fois par épisode. C'est-à-dire au bout de 4 épisodes, il y aura toujours le Démolition Royale. Et j'ai hâte de progresser. On fait comme ça. Maintenant, on continue la playlist, on en fait une deuxième, après une troisième, et la quatrième, je pense qu'on pourra faire le Démolition Royale. Un autre élément et tu entres dans la fournaise. Il te faut donc une voiture qui est aussi résistante que puissante. Heureusement, tu conduis la Camaro Z28 de 1969. On dit que cette voiture mange des Mustangs au petit déjeuner. Elle devrait être à la hauteur du prochain défi. On dirait que je rejoins les équipes. Hein. Les équipes de moto. Mais c'est secondaire, je pense. Je pense que ça reste secondaire. Hop. Allez. Je vais désactiver le freinage automatique. Maintenant, on va essayer d'augmenter un petit peu la difficulté. Allez, go. On reste carré sur les objectifs, allez, Paradise. Peacock Flakes, terminé l'épreuve. Alors là, je pense qu'on retourne dans les années classiques encore. L'entrée du volcan est sinistre. Donc on a intérêt à bien s'accrocher.
Attendez. Reconfigurer. Pour le vue cockpit. J'ai désactivé. Hop, c'est bon. On peut retourner. Terminer l'épreuve, bon ça on sait. Allez, c'est bon. Allez, go. C'est parti. Allez, j'ai pas peur de freiner cette fois. Au lieu d'activer les freins automatiques, hein, je pense qu'il vaudrait mieux que ça désactive et qu'on fasse attention. Bienvenue dans le volcan. Ici, toutes les montagnes qui t'entourent sont volcaniques. Certaines dorment, mais les autres... Pas besoin de te faire un dessin. Regardez ça. Comment je freine. Enfin, comment je... J'ai fait un dérapage. Pour nous, les Hawaïens, Pélé est la déesse des volcans. On dit que l'activité du volcan est la même que son tempérament. Parfois calme et parfois explosif. Explosif ou pas, je saute. Là, ça devient explosif. Tu roules sur le territoire d'une déesse redoutable. Ça vaut bien une photo. Ah bah, ça c'est cool. Pélé continue de façonner Hawaï. Grâce à elle, nous sommes les témoins du processus de création. Regardez comment je maîtrise. Bon, je sais que ça peut paraître fou, mais les volcans sont une véritable chance. Des géants puissants et prodigieux qui nous inculquent l'équilibre entre la destruction et la création. C'est grandiose. Les sols de lave et de roche sont maintenant une terre humide et fertile. C'est ce que les Hawaïens appellent fièrement Ulaeri. Encore un mot difficile, hein? Honnêtement. Un joli temple japonais caché là. Ce sera difficile de s'y arrêter, mais on peut toujours prendre une photo. Pour faire simple, Kulaivi est notre terre, l'endroit qui nous nettoie, qui nous nourrit et dont nous prenons soin. Eh ben, ça vaut bien quelques photos, hein. Monsieur le fondateur de la playlist. Eh
Là, je vais tourner à gauche. Et là, je fais un dérapage. Regardez-moi ça, comme c'est joli. Je reçois un appel téléphonique venant du fondateur de la playlist. Bien connu pour son surf. Et pour ses crevettes, bien sûr. Évidemment, monsieur le fondateur. Ça sent la fin. Le Rainbow Bridge est l'endroit idéal pour marquer l'occasion. J'ai... Il faut vraiment que j'apprenne la photo du volcan. Je suis fan. Tu m'impressionnes beaucoup. Allez, on continue. Tu as goûté à la rudesse de l'Ouest. Maintenant, je t'invite dans les contrées sauvages du Nord. Entre le sable, l'asphalte et la boue, une tout-terrain est indispensable. Voici donc notre réponse. Néo-ingénierie, touche rétro, attitude intrépide. Elle n'est rien qu'à toi pour cette course. La Dodge Challenger SRT, édition cross-country. Attendez, j'essaie de... Je détecte un signal venant de du loot. Alors, attends, c'est où ça? Ah, d'accord. Allez, bah là cette fois, je conduis la Dodge Challenger SRT 8392 Wide Earth of Kololua. Ah. Terminé l'épreuve. Nae, kamahele, elanai, kamanao, apilia kukouka, kua me kokaipua, he pili ona ona maikai, kialoha.
sauvage cette fois. Quand tu rouleras sur l'asphalte, mieux ce sera. Tu commences bien. Les plages de sable blanc de Cavelabé. Un trésor de sérénité loin de l'agitation. Ça t'en vaudra peut-être autant, mais mais c'est déjà mieux que rien. Le Turtle Bear Resort sur ta gauche. L'endroit idéal pour admirer les bonnes. Et regardez, j'ai pas peur d'accélérer. Crois-tu qu'il y a des grosses virages? Mais en fait, j'accélère. Donc si j'aurais activé... Si j'aurais activé les freinages automatiques... Bah là, ce serait une perte de temps phénoménale. Hawaï est à plus de 6000 km de la Terre la plus proche. Aucune forêt au monde ne ressemble à celle-ci. Elle est juste incroyable. Allez, là, faut que je freine, parce que il y a quand même des virages qui sont un peu brusques. Regardez-moi ça, les paradises. Le dérapage. C'est ce qui compte pour moi, ce jeu. Et puis vous le savez très bien. Profite bien de la descente. Il y a des vues splendides sur le cerf. Avoir une vue imprenable. Tu vas bientôt passer à côté du temple Laie Hawaii. Ou du moins juste derrière. C'était rapide. Mais on a toujours la photo. No filter!
Je sais que j'en voudrais toujours autant, mais c'est comme ça qu'on progresse. Ka'ahava, les plages du Nord-Est. Tu es un spécialiste, mon ami. On a encore plein de choses à découvrir ici. Blanche, noire, verte. On a vraiment de la chance. Il y a des plages de toutes les couleurs à Hawaï. Ah bah pour ce qui est des plages noires, vertes, jaunes. Le jaune en général, les sables sont jaunes, mais ça m'étonnerait s'il y a des sables vertes. Mais je pense qu'il y a peut-être qui vont en avoir. Oh my god, ça c'était de la course. Une vue imprenable, les paradises. C'est la richesse complète. Et maintenant les paradises. Et maintenant les paradises. À ta disposition. Passons aux choses sérieuses. Vous êtes prêts pour le démolition royale? Et bah c'est parti. Alors attendez, je vais quand même voir si par rapport au véhicule des démolitions derby. On reprend là où on s'est arrêté. Non. Donc, catégorie démolition. Alors, est-ce que c'est bien ce qu'il me faudrait ? On va améliorer, on sait jamais. Ouais. Je sais, c'est plus fort que moi. Et je pense que vous le savez très bien pourquoi. Donc voilà. Piloter. À bientôt, pilote. Donc, hop, activité, démolition. Je pense que d'ici 5 minutes, on va pouvoir commencer. We'll be right back.
shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. Chaque joueur qui défonce tout ça, need to take the new song. Le combat va bientôt commencer. Allez, c'est parti. Je récupère mon bonus. Il a pris. Allez, à moi. Bonus de dégâts. On ne vaudra pas tant que ça. Tu ne m'auras pas aussi facilement. Enfin, d'une manière ou d'une autre. L'air de combat rétrécit. Alors bon, on va retourner. Hop. Certains bouts de temps c'est déjà fait. Il y a des moments où c'est comme ça. Allez, boum! C'est à mon tour! Je suis le gros Monster Truck bien musclé. Regardez! Vous avez détruit. Oh là là. Now that I'm in the good mood, I never
me rattrape. Yes. Bonus bouclier. Allez. Cette fois, c'est à mon tour de vous défoncer à la figure. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Don't tell you what to do. Vous voyez vous battre, vous allez voir. Vous avez été détruits. Soyez fort, soyez fier, et ne reculez jamais devant la difficulté. Donc celui qui ont été éliminé dans les coups. Le combat est terminé. Bon. Alors, ouais, ça va. Participez à nouveau, tiens, j'en fais une autre. J'aime bien démolir les voitures. Vous savez bien qui je suis. Oh les paradis, vous savez à quel point je fais des blagues aussi pourries que vous en allez. Alors, déjà, je voudrais voir. Non, même pas. Je peux même pas.
j'aime bien embêter. J'aime bien les embêter. Allez, on est parti. Le combat va bientôt commencer. Donc là, on n'est que 4 groupes de participants. Je me demande si on a travaillé dans la même équipe. Hein. Allez, à mon tour. Cette fois, je rigole plus. Allez, boum. Impact. Impact fait. Donc, toute l'équipe qui sont jaunes, ça veut dire qu'ils font partie de notre équipe. Donc, ça veut dire qu'on ne doit pas les défoncer, quoi. Enfin, si je comprends bien. Qui sont morts. Enfin, il y en a un qui est mort. Il y en a un qui est éliminé, je veux dire. Allez, viens là. Viens que je te défonce là. Les bonus de dégâts ont été récupérés. Pas trop, hein. L'air de combat rétrécit. Ben, je voudrais vous y voir, mais on
on dirait que c'est plus fort que du roquefort. L'air du combat, c'est ici, normalement. T'as cru, hein? Et ça s'est arrivé comme ça. Oh, punaise. Un pax énorme. Allez, laisse-moi vous défoncer. Allez, c'est bon. Troisième. Bon, allez, les Paradise, je vous propose qu'on va s'arrêter là pour le huitième épisode. Et vraiment, je suis fier. Je suis vraiment fier de pouvoir jouer avec les autres joueurs en ligne. Et dans le 12e épisode de Zurkro Motorfest, on reprend là où on s'est arrêté. Non. Tu sais où me trouver, pilote? Ce que je conseille, c'est que je vais rentrer avec ma bonne bolide. Non, c'est pas ça que je veux. Ouais. Marc, je vais conduire. Il est où l'Aston Martin? Ah, quoique. Attends. C'est celle-là, je crois. Allez. Je vais rentrer avec mon Aston Martin préféré. Et puis, bah voilà, c'est l'occasion jamais de prendre un nouveau départ pour le Motorfest, conduire jusqu'au QG directement avec ma bagnole que je suis d'ailleurs très amoureux d'une voiture de James Bond. Et puis voilà. Et puis c'est bon. La jaune, ça paraît bien, ça. Allez. Donc voilà.
capot. Gestion. Ça ne change pas. Ça ne change pas non plus. Ah si, peut-être. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Celle-là. Alors, elle est intérieure et blanche. Les Paradise. Et voilà. Ça irait très bien comme ça. Et puis, c'est tout. Donc, je vais rentrer. Donc, avec mon Aston Martin. Et je rentre au QG directement pour cette fin d'épisode de The Crew Motorfest. Donc quant à vous, je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et portez-vous bien, soyez prudents, c'est important, soyez prudents. Faites en sorte que 2024 soit meilleur qu'en 2023. Et puis quant à vous, je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye. Je suis de retour.
Thank you.